et un enfant de plus dans la famille grand-ducale luxembourgeoise. La princesse Stéphanie de Luxembourg et le prince Guillaume de Luxembourg ont donné naissance à leur deuxième fils, un petit François, ce lundi 27 mars, à 10h04 précise, comme l'indiquent nos confrères d'Histoire Royale. Déjà parents de Charles, né le 10 mai 2020, soit environ 7 ans après leur mariage, le couple n'a pas attendu longtemps avant de dévoiler au monde entier le visage de leur bébé. L'héritier et son épouse ont en effet organisé une séance photo avec le nouveau-né 2 jours après sa naissance. Les clichés ont été diffusés ce mercredi 29 mars sur les réseaux sociaux de la maison du Grand-Duc, puis repris par nos confrères du site web spécialisé. Sur ces 2 premières photos officielles, le petit François apparaît couché sur un matelas blanc, dans une gigoteuse immaculée. Il a déjà quelques cheveux bruns, comme ses parents. Une différence avec son frère, Charles, qui est blond comme les blés. Sur le deuxième cliché, sa tête repose entre les mains de l'un de ses parents, avec son minuscule petit poing fermé. La naissance du prince François s'est très bien déroulée et sa mère va bien, avait déclaré le père de famille fou de joie, face caméra, au lendemain de l'accouchement de son épouse. Et d'ajouter, pour nous, c'est maintenant un grand bonheur de pouvoir tenir ce petit être dans nos bras. Il est déjà adorable. Le fils aîné du grand-duc Henri de Luxembourg et de la grande duchesse Maria Teresa de Luxembourg a par ailleurs indiqué au cours de cet entretien avec les médias que leur fils aîné a déjà pu rencontrer son petit frère, Charles, et ses grands-parents sont venus nous rendre visite à la maternité. C'était très mignon de voir sa réaction à la naissance de son petit frère. Il s'est montré très enthousiaste à l'idée de le rencontrer et s'est précipité vers lui. D'après les informations communiquées par le palais grand-ducal, François pèse 3,575 kg pour 53 cm. Son nom complet est François-Henri-Louis-Marie Guillaume. Il est né à la maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg-Ville, tout comme Charles. Supérieur à Henri, Maria Teresa, Guillaume de Luxembourg. Qui sont les membres du Grand-Duché du Luxembourg. Un cadeau de naissance original comblé de bonheur avec cette nouvelle arrivée dans leur famille, Stéphanie et Guillaume ont souhaité partager un peu de leur joie avec leur peuple. Comme l'a rapporté Point de Vue, le frère de Félix de Luxembourg et l'ex-comtesse belge ont eu l'idée originale d'inciter leur entourage à non pas leur offrir des objets ou des vêtements pour leur bébé, mais à plutôt faire un don au profit d'une association. Ils ont ainsi recommandé d'envoyer de l'argent à SOS Village d'Enfants, en guise de cadeau de naissance pour le prince François. Le palais a déclaré que le grand-duc héritier du pays et sa femme ont exprimé leur souhait de soutenir cette cause qui accompagne des enfants et des familles en difficulté. Crédit photo, Dana Presse.